Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule qui va être super rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps pour éditer de ce temps-ci parce que je suis vraiment à la fin de la remise de mon mémoire de maîtrise. Donc, ça va vraiment être une ouverture de voir. Donc, ça va durer quelques minutes, ça va être super rapide. Je vais peut-être pas vous faire quelque chose de super complexe pour vous expliquer chacun des produits, mais on va quand même ouvrir ensemble puis voir ce qu'elle contient. Je voulais aussi vous mentionner que j'ai probablement une capsule qui va s'en venir sur les protéines, dans le fond, au cours des prochains jours. Ça va dépendre du temps que je vais avoir pour l'éditer, là, vraiment, parce que c'est plus facile de filmer, comme je vous ai dit, que d'éditer pour moi. Donc, ça va vraiment dépendre de mes temps libres. Sinon, suivez-moi sur Instagram aussi, parce que je publie encore fréquemment. Puis, au cours de la narration qu'on a eu la semaine, projet déjeuner qu'on a appelé avec plusieurs nutritionnistes. Donc, si vous voulez, les informations vont être dans la barre en bas. Il y a vraiment plusieurs recettes là, qui ont été partagées par les autres nutritionnistes avec qui j'ai collaboré. Puis, c'est vraiment fantastique, là, vraiment, à quel point c'est original. Puis, c'est vraiment bon. J'en ai essayé quelques-unes, puis c'est vraiment super cool. Donc, j'espère que vous allez aimer ça aussi. Pour ce qui est du son, aussi ça s'en vient, j'ai acheté un nouveau micro, donc le son va bientôt plus sonner cacane comme il sonne en ce moment. J'ai aussi fermé l'ordinateur de mon copain, et j'espère que ça va avoir amélioré les choses un petit peu, donc on va voir. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence, si vous voyez que c'est un peu mieux déjà. Puis sinon, ben, je vais avoir mon micro bientôt, donc on va pouvoir voir ça. Et je vais commencer sans plus tarder avec l'ouverture de ma Little Life Box. Donc j'ai un petit ciseau là parce que je suis vraiment pas très bonne avec ça. Okay. Et là, je vais l'ouvrir. Donc c'est vraiment ouvert en direct devant vous. Et là, wow! Donc, comme toujours, on a un petit carte postale avec le petit papier et le petit collant. Moi, je sais que le focus se fera probablement pas parce que j'ai pas mis l'autofocus. Désolée. Parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit. Mais quand je vais avoir le micro externe, je vous promets, je vais avoir un autofocus, ça va être plus beau. Donc, si j'ouvre la boîte, voilà, donc j'ouvre le petit emballage. Oh, ça commence. Là, je pense qu'ils m'ont eu. Je pense qu'ils m'ont vraiment eu. Sérieusement, là, je l'ouvre puis je suis vraiment excitée. Vraiment plus qu'à la première boîte. Donc, vous avez vu, des fois, peut-être que je suis un peu. Ça paraît dans ma face, là, si j'aime un peu moins certains produits, là, mais vraiment, en tout cas, juste en l'ouvrant, j'ai vraiment comme wow, ok. Je commence par le café. Donc, on a un petit café avec des grains éthiques. Mon copain va triper. Café égale amour pour mon copain, là, vraiment. Là. Je sais même pas si je pourrais dire qu'il aime plus le café que moi. Peut-être. Donc, on a du café. On a aussi des chips de coconut là, qui sont vraiment à la mode de ce temps-ci. Prana en fait aussi ce genre de produits-là. Ceux-là sont nature. Ah, sont au chocolat. Wow, au chocolat. C'est vraiment trop cool. Un peu, je les essaye. J'ai pas déjeuné encore. Donc c'est Bouddha, Hungry Bouddha. C'est vraiment top. Wow, sur un smoothie bowl, ça va être vraiment beau. Vous allez pouvoir le voir probablement sur Instagram, donc là, suivez-moi sur Instagram, vous allez voir les petits chips de coconut probablement surgir un petit peu quelque part. Ensuite, on a la boisson là, Guru que je connais déjà, qui se trouve être une eau énergie, là, mais je la connais pas super bien. Là. Je sais que c'est une boisson avec de la caféine à l'intérieur. Sans calories, donc c'est probablement sucré avec un édulcorant. Je pense que c'est du stevia, si je ne me trompe pas. Mais je ne suis pas certaine, mais certaine, ça c'est le genre de choses qui... bon, ça remplace peut-être un petit peu les boissons gazeuses. Là, c'est pas une bonne option à suggérer, mais quand même, c'est sûr que versus prendre une boisson gazeuse, on n'est comme pas sûr encore des bénéfices. Là. Chez les personnes diabétiques, les édulcorants, en tout cas, on pourrait peut-être les permettre à certains moments pour éviter justement les hyperglycémies, mais... Chez nous, ben, on préfère un petit peu pour le sucre normal, là, tant qu'à en prendre un des deux. Mais ça, c'est encore un gros débat, là, on est super pas clair là-dessus, nutritionniste. Donc, genre de capsule, justement, qu'on pourrait reparler, les édulcorants de ce type-là, le type stevia, ce type sucralose et autres. Là. Donc, on pourrait voir ça ensemble dans une autre capsule, puis je pourrais vous expliquer si j'ai aimé ce produit-là et pourquoi. Donc, c'est mixto au pamplemousse. Ensuite, c'est juste de la bouffe. Waouh! Cool, ok. Mélange énergétique aux cerises de terre. C'est ma face. Vous pourrez voir un gros zoom sur ma face. Wow! Ok. Fait que cerises de terre, je suis vraiment trop cool. Donc, je vous en donnerai des nouvelles dans mes prochaines photos sur Instagram. La maison d'Orphée. Je l'ai dans mon cœur. Wow! Ok. Puis, il faut que j'essaie leurs nouveaux produits. Je sais qu'ils ont des moutardes aussi, là, mais la maison d'Orphée offre beaucoup d'huile d'olive, d'huile de toutes les sortes, en fait, pressée à froid souvent.
Celle-là, ça, c'est une vinaigrette, en fait, une marinade vinaigrette, là, en fait, assaisonnée, style italienne, pour les viandes, autant pour les salades, tout ça, là, fait que j'en ai une nouvelle, c'est vraiment super goûteux d'habitude, là, fait que c'est le genre de choses qu'on aime bien cuisiner avec. Ensuite, j'ai absolument aucune idée c'est quoi, mais c'est vraiment la coupe, parce que l'emballage est cool, mais bon, faut se dire que c'est pas justement dans l'emballage, c'est con. Ok, c'est du sirop! Wow! Quand t'es l'huile de palme, le sirop d'agave bleu, on a du sucre de canne, du sucre naturel, genre brun, les gros cristaux. La plus grosse, c'était du sirop pour les crêpes. Je sais vraiment pas avec quoi c'est fabriqué. Ah, ingrédients. Sirop inverti organique de canne. Voilà, on a tout dit. Ici, ça c'est un remplacement organique coconut palm sugar. Hey, c'est mon anglais, super bon. Donc c'est du sucre de palme et de coconut style biologique. Encore la même chose. Je pense que c'est pas mal une petite pochette qui en contient un puis du stevia. Donc, au fond, on a du stevia puis on a un coupon rabais de 4$ pour les prochains achats si on veut acheter un gros produit. Ok, ici on a des bouchées nutritives, c'est comme qu'ils appellent ça. Goji et basilic. C'est sans gluten, c'est biologique et c'est délicieux pour les collations. C'est un produit, j'ai rien à dire de spécial là-dessus, c'est super bon, là. Les ingrédients sont quand même super bien. Par contre, il y a un petit peu de sucre ajouté à ce que je peux voir, mais c'est pas la fin du monde, fait qu'il y a des baies de goji dedans, il y a du basilic, donc c'est super différent comme produit. Mais ça, je pense que vu que c'est tellement différent, il va falloir que je vous le teste en direct parce que je veux que vous ayez ma réaction. Et là, comme je suis encore vraiment poche avec les vidéos, ma caméra a fermé. Donc, je vais reprendre. Donc, la vidéo est coupée. Donc, je vais continuer. J'allais pour tester les petites cachous. Donc, petits mini cachous aromatisés avec le basilic. Donc, je les ai testés tantôt, mais je vais quand même vous montrer la réaction. Là. Donc, ils sont vraiment super bonnes. Par contre, ce qui arrive, c'est que je trouve que le goût du basilic et de goji ne ressort pas super bien. Moi, c'est très bon. Ça donne quand même une petite touche un petit peu différente, un petit peu plus flyée à nos noix, donc c'est quand même super cool. Ensuite, dans ma boîte, j'avais les petites chips de chou de Bruxelles. C'est un produit que j'ai toujours voulu essayer. En fait, je l'ai vu dans une autre capsule d'une YouTuber récemment, puis j'ai vu le goûter, puis elle avait peur de triper, mais moi, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Donc, je peux vous montrer un peu que ça a l'air, là. Donc, je pense que je vais en prendre une grosse pour vous montrer, là. Donc, ça a l'air à peu près de ça, là. C'est vraiment une petite croûte. On dirait que c'est comme croûté fromage, mais en même temps, c'est vegan, donc il doit pas avoir de fromage. Je pense pas que c'est vegan. Ouais. Donc, il doit pas avoir de fromage. Et c'est aux pommes et tamarins. Puis, c'est vraiment très bon, là. J'ai goûté tantôt. Mais ce qui arrive, c'est que la texture est super bonne. Le goût est un peu pas parfait, nécessairement. Mais moi, je trippe quand même sur ces produits-là parce que c'est vraiment la texture le plus important pour moi. Donc, vous voyez, ça croustille. Ensuite, j'ai eu un UFA qui se trouve être super pratique pour les gens qui ont de la corne sur les pieds. Je ne parlerai pas de moi ici, mais oui, j'ai beaucoup de corne sur les pieds. J'ai de la difficulté à garder mes pieds lisses et soyeux. Donc ça, c'est vraiment l'ordre de choses qui est super parfait pour ces petites cornes de derrière de pied. Là. Donc, puis avec l'été, là, moi, souvent, avec les petits souliers ouverts, pas de bol, ça lampait des choses. Donc, ça va être super cool. Ce qui est venu avec ça, c'est qu'on a eu un beau beurre de qualité aussi. Donc, le beurre de qualité, là, c'est super parfait pour les peaux rugueuses, les peaux sèches, donc mes pieds vont être heureux. Je vais en profiter aussi pour en mettre un peu partout là, sur mon corps, puis hydrater la chose avant de passer au soleil. Puis c'est bien mieux d'avoir les jambes hydratées aussi l'été là, avec les maillots de bain, c'est plus joli. Et ensuite, on a eu le petit Wow Butter qui se trouve être du beurre de... Ben, c'est du faux beurre d'arachide dans le fond, là, pour les gens allergiques, donc il n'y a pas de noix là-dedans. C'est seulement du beurre d'haricot de soya. Donc, j'ai pas goûté encore, je sais pas quoi ça goûte. J'ai hâte de voir, ça a l'air de quoi. Est-ce que c'est bon ou non? Donc, j'espère que j'ai pas oublié de produit en revenant, parce que, tu sais, je suis pas très bonne, là. J'ai vraiment oublié que la caméra coupait. Moi, je parlais encore comme d'habitude, puis je dis n'importe quoi. Et finalement, c'était coupé. Donc, tout ça pour dire que j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. C'est encore une ouverture de boîte. C'est pas le genre de choses que je veux faire tout le temps, parce que ça vient redondant un petit peu à la longue. Par contre, c'est super le fun de découvrir des nouveaux produits, puis je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis vraiment surprise par la qualité des produits qui se tiennent dans la boîte, là. Donc,
je suis agréablement surprise en fait, là, fait que si vous voulez essayer la boîte, gênez-vous pas, les infos vont être dans la barre en bas. Puis je vais dire merci aussi à Little Lifebox pour m'avoir donné la boîte. Puis je vous souhaite une bonne journée. Donc bonne fin de journée, puis à la prochaine.